une partie, toute une forme d'analyse autour des questions de tribus, les nouvelles tribus, et donc les teufeurs comme une tribu. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez parlant. Il y a quand même un truc très communautaire dans le milieu free party, aussi bien sur l'apparence, sur le rapport au monde, sur la façon de faire la fête, évidemment, mais sur plein d'autres choses. J'ai rencontré la teuf vers 14-15 ans. J'ai rencontré donc la musique, la techno, les gens, les valeurs, et puis la drogue, forcément. La particularité, je trouve, des volontaires de T+, c'est des gens qui consciemment réfléchissent, intellectualisent en fait les drogues, la politique des drogues, la manière dont aussi du coup est régie la société, parce que les drogues font quand même vachement partie de la société dans laquelle on vit. En fait, on s'était vraiment inspiré totalement de ce que Assud avait fait avec pour l'héroïne, etc. Dire voilà, le produit c'est ça, les effets recherchés c'est ça, les risques c'est ça, voilà ce que tu peux faire pour réduire les risques. Du point de vue des stratégies de réduction des risques aussi, il y avait tout à réinventer sur le milieu festif, il n'y avait rien. La drogue, il y en a partout, des consommations, il y en a partout, de l'information et de l'autonomie, tout le monde y a droit. L'information en matière de stupéfiants, dès qu'elle était libre et qu'elle n'était pas moralisatrice, eh bien, elle était considérée comme une parole subversive. Ah, la répression, elle est protéiforme. Hein. Moi, ce que je voudrais pas, c'est que, fort du tournant moral qu'on a aujourd'hui, on casse ça. C'est-à-dire qu'on ne reconnaisse plus que des associations comme Techno Plus sont des associations légitimes à intervenir parce que, justement, elles interviennent sur la prévention et sur la réduction des risques. On est des personnes qui avons, je sais pas d'où ça vient, mais cette espèce de truc ouvert, c'est peut-être parce qu'on a pris du LSD.